vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir. Nouveau numéro d'émission Contre nous, soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et même économique. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité. Dans ces domaines-là, on les met sur la table pour en parler avec un invité. D'ailleurs, un invité spécial est sur ces plateaux avec moi. Un aîné, mais aussi un ami dans la profession, parmi les générations qui sont arrivées avant nous et qui ont tracé les sillons dans lesquels nous nous sommes engouffrés, il a vraiment son nom dans le panthéon journalistique dans mon pays. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau M. Bélard Mbouy. M. Mbouy, bonsoir. Bonsoir, Paul Ouara. Vous êtes journaliste, analyste politique et écrivain. Vous avez d'ailleurs écrit un très très bel ouvrage. Je voudrais présenter ça à la fin à nos téléspectateurs. Vous êtes spécialiste de la région des Grands Lacs et des quelques questions électorales. Vous avez été reporter à Forum des As, rédacteur en chef chez les Softs Internationales de Kinké Moulumba, directeur de la rédaction chez les Potentiels, directeur général de la chaîne des radios-télévisions Africa TV et Africa FM. Actuellement, vous êtes chroniqueur. Vous présentez une très très belle émission qui revient sur les anciens succès dans une grande chaîne ici à Kinshasa. Je vous ai appelé pour qu'on parle d'un terme important. Qui a réellement remporté la présidentielle ivoirienne? C'est les noms plutôt de l'ouvrage que vous avez. Mais avec vous aujourd'hui, on va parler de la pure vérité historique sur les Banyamulenge. Qu'est-ce qu'ils sont exactement? Sont-ils des vrais Congolais? Mais là, je voulais quand même demander à nos téléspectateurs de jeter un coup d'œil sur cet ouvrage. J'ai lu quelques extraits, c'est extraordinaire. Ouvrage publié par Bélard Mbouy qui a réellement remporté la présidentielle ivoirienne de 2010, où il revient sur le conflit Ouattara et Laurent Gbagbo et tout ce qui s'est passé exactement autour de cette élection en parlant du vrai vainqueur de ça. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous n'avez jamais publié un ouvrage sur les élections en RDC alors que nous avons eu des problèmes avec Bemba, avec Kabila, avec Etienne Tshisekedi. Pourquoi cet amour pour la Côte d'Ivoire? Bien, déjà que leur conflit a eu lieu avant le nôtre. Donc leur élection en 2010, c'était l'élection annonciatrice d'une dizaine d'élections qui allaient suivre dans l'année qui l'année 2011. C'était en 2010. En 2006, nous avons eu des élections avec des guerres, avec Jean-Pierre Bemba dans le pays ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bélard Mbouy? La contestation n'a pas été si forte que ça. Et la il y a CENI, quand même eu guerre sur le rue de Kinshasa ici. Oui, oui, il y a eu guerre. Hugo Tanzambi est décédé pour ça. Effectivement, la guerre n'était pas essentiellement due au fait qu'il y avait contestation électorale, non. Il y avait le fait que Kabila demandait à désarmer la garde de Bemba pour que les anciens vice-présidents puissent maintenant être protégés par des éléments de police. Il y avait encore mésentente sur ce problème-là, cette problématique. Ce qui a conduit à des affrontements en plein centre de Kinshasa. Les affrontements n'étaient pas dus au fait de la contestation électorale en tant que telle. Par contre, là où nous avons eu une vraie difficulté, c'est à partir de 2011, avec les élections, la présidentielle, entre Tshisekedi de heureuse mémoire et Joseph Kabila. Deux personnes qui prêtent serment, deux présidents de la République. Voilà, exactement. C'est ça qui aurait peut-être pu donner lieu à un ouvrage comme le mien. Mais une année avant, il y avait déjà cette histoire de la Côte d'Ivoire qui il avait tellement passionné l'Afrique que je m'étais décidé de pouvoir me pencher sur la question pour établir sur le plan du droit et sur le plan de la vérité des urnes, ça veut dire du vote réellement émis par le peuple de Côte d'Ivoire, savoir qui a été le vrai vainqueur. Et dans votre livre, vous consacrez effectivement la victoire de Ouattara, vous dites qu'il a effectivement été élu par rapport à Laurent Gbagbo. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage. Oui, ce qui est assez surprenant, c'est qu'au départ, j'avais l'idée que c'est Laurent Gbagbo qui doit être le vainqueur. Vous savez, Laurent Gbagbo tient tellement un discours nationaliste africain que je m'étais dit qu'en travaillant sur cette question, j'allais prouver au monde que Laurent Gbagbo avait été le vainqueur. Mais il faut, si je dois signaler avec beaucoup de vigueur, que on m'a beaucoup facilité la tâche. J'ai eu tous les résultats, donc bureau de vote par bureau de vote, tout ce dont j'ai eu besoin, je l'ai obtenu de la CI Côte d'Ivoire. Toutes les explications dont j'avais besoin, du camp Ouattara comme du camp Gbagbo, je l'ai obtenu auprès de leurs proches sans beaucoup de difficultés. Donc en analysant ces chiffres, parce que je suis quand même assez doué en matière électorale et en mathématiques, analysant les chiffres, analysant le contexte, je suis arrivé à la conclusion nette et claire, et c'est Alassane Ouattara qui a été le vainqueur, et de façon incontestable. Je vous
demande de lire l'ouvrage. Moi, j'ai jeté un coup d'œil. Vous aurez vraiment des explications sur la vraie victoire d'Alassane Ouattara devant Laurent Gbagbo. C'était en 2010. Vous êtes journaliste, mais vous avez la passion du journalisme dans le sang. Nous sommes en deuil. Kasonga Chilunde est décédé après le congrès de Mwanda. C'est vrai que je ne vous ai pas vu là-bas. Un témoignage sur cet homme, est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que c'est un homme qui vous aura quand même marqué dans votre carrière également? Il m'a beaucoup marqué parce que j'ai commencé à lire Kasonga depuis que j'étais à l'école primaire. Donc voilà, j'ai commencé à lire Elima dimanche, hein, où on m'a parlé de musique et de sport. À partir de l'année où j'étais en 5e primaire, jusqu'en 6e et puis juste après. Alors j'ai remarqué cette signature, Kasonga Chilunde Baya Yo Umwe. Donc je me disais toujours, mais Baya Yo Umwe, en Chiluba, ça doit vouloir dire le mari de Yo Umwe. C'est quoi cette histoire? C'est son nom ou qu'est-ce qui se passe? Je trouvais ça assez compliqué. Mais je dirais, bon, si dans la vie un jour je le rencontre, je lui posais la question pour savoir. Il a ajouté le nom de son épouse dans son nom ou quoi? Alors, plus d'une vingtaine d'années plus tard, je suis devenu moi-même journaliste et j'ai fini par le rencontrer. Et nous avons fraternisé, nous sommes devenus amis. Il m'appelle toujours son petit frère, moi je m'appelle toujours grand frère. Et j'ai oublié de lui poser cette question-là, jusqu'au moment où il est parti. Donc je ne sais pas si Baya Yo Umwe ça veut dire le mari de Yo Umwe ou c'est vraiment son nom exactement. La dernière blague qu'on s'est faite, lui et moi, c'est qu'il y a une année et demie, je crois, il était souffrant, il était en Afrique du Sud. Quand il a publié ses photos à Djobou, devant la clinique où il se faisait soigner, alors je lui ai écrit « Unjani », ça veut dire la salutation en Zulu, hein, comment vous allez? Alors lui, il a mal lu, il a lu « Kunjani » en Chiluba, il a cru que je lui disais « ne me critique pas ». Alors il m'a répondu « que je te critique pourquoi mon petit frère ? » Alors j'ai dit non, non, je ne t'ai pas demandé. C'est pas en Chilouba, c'est en Zoulou. Ça veut dire comment vous allez. Nous avons tous rigolé. Alors quand il est rentré, ils sont allés le voir à son bureau de l'UNPC. Nous avons vraiment rigolé terriblement là-dessus. Mais bon, c'est un homme très bien. Je serai là, ne vous inquiétez pas. C'est juste que nous avons d'autres agendas, mais je ne peux pas manquer. Kasonga Chilunde qui est parti, donc hommage à lui. Le programme de ses obsèques n'est pas encore établi. Vous aurez les détails ici. Belarmoui, journaliste, j'aime bien vous rencontrer, discuter avec vous de cette profession, mais je sens en vous une certaine, comment dire ça, un regret, un peu un regard dédaignant lorsqu'on parle de la presse aujourd'hui. Vous êtes déçu de la manière dont la profession journalistique est organisée aujourd'hui dans ce pays? Vous pensez que nous partons d'une profession d'élite à une profession qui reçoit de la racaille aujourd'hui, excuse-moi d'être aussi dur et d'employer des mots durs comme ça. Non, racaille, c'est trop dire. Il faut dire que, bon, avec l'évolution du monde, avec l'intrusion des médias sociaux, la profession évolue. C'est dans tous les pays pareil. En mal ou en bien? Parce que vous, apparemment, vous avez l'impression que c'est une évolution plutôt en mal. Non, pas forcément. Les médias sérieux continuent d'être sérieux. Vous avez les grands journaux comme permettez-moi de m'en citer quelques-uns, Africa News d'Achille Kadima et Alain Cohn. Alain Cohn, sa sieste par exemple, ça reste un média sérieux. Quand vous le lisez en version journal, version papier, vous lisez sur leur site, sur leur vidéo YouTube, ça reste du sérieux. Quand vous avez le potentiel, le phare, la prospérité, ça reste vraiment sérieux. Cela étant, maintenant, chacun peut, derrière son petit téléphone Android, concevoir son site YouTube et s'autoproclamer journaliste, commencer à faire même des analyses dans un français approximatif. Cela ne veut pas dire, cela ne nuit pas à l'image de ceux qui sont sérieux. C'est ce genre de personnes qui traînent, en fait, leur propre réputation sur eux. Nous ne devons pas faire mélanger les choses. Vous vous rappellerez, Perrault, que quand vous avez eu l'idée de lancer cette chaîne sur YouTube, CPL TV, j'étais parmi les premiers à vous dire, Perrault, vous avez une bonne idée, parce que ça manque au paysage audiovisuel congolais de voir une chaîne YouTube sérieuse, faisant des émissions en français, des analyses pointues avec un journaliste de renom qui a suivi le cursus normal. Ça veut dire quoi? Quand vous commencez votre carrière journalistique, vous commencez par être un reporter. C'est-à-dire que vous allez recueillir une information, vous la traitez et vous la diffusez ou vous la publiez. C'est ça le reporter.
après des années, quand on vous a apporté des corrections par vos supérieurs, on a vu comment vous avez évolué, vous pouvez passer à l'échelle secrétaire de rédaction. Vous allez commencer vous-même à porter des corrections aux autres nouveaux venus. Jusqu'au jour où on va voir vos qualités, vous passez à l'étape rédacteur en chef. De là, vous pouvez déjà commencer maintenant les émissions ou les articles d'opinion, genre chronique ou éditorial, parce que vous avez suffisamment mûri. Voyez-vous, donc peut-être vous envoyer et représenter votre média sur d'autres médias, radio ou TV, comme ce qu'on voit sur LCI ou CNews en France, par exemple. Là, vous donnez l'opinion de votre média d'origine, voyez-vous. Mais aujourd'hui, nous avons parfois certains de nos jeunes frères, au lieu de suivre ce cursus, à peine il entre dans la profession, il veut être éditeur. Il n'a pas suivi, d'abord, il n'a pas été formé par la pratique, il n'a pas été formé. D'autres commencent par ouvrir une chaîne télé. Comment sont journalistes par là? Il devient présentateur, il s'autoproclame analyste politique. Et ça fait que, vous voyez quoi comme titre? C'est sûrement toujours pas « Et Indie, Botala, ceci, cela, et Indie !» Donc c'est des choses, quand vous regardez, c'est vraiment éprouvant. Et permettez-moi de vous le dire, c'est vraiment éprouvant de regarder ce genre de choses. Bon, vous dites, ne faut-il pas mieux être sur les chaînes internationales parfois ou pas? Bon, voilà. Mais, je presse, vous l'avez dit, dans une chaîne de télévision, je vous la citer. Non, vous dites que tous, on n'est pas mauvais. Hein? Tous, non, pas du dans tout. Dans l'ivraie, il y a quand même du blé aussi. Quand vous regardez Univers Group Télévision, effectivement, vous regardez... C'est normal que pour vous de prêcher pour votre propre chapelle, je... Non, vraiment... Non, mais c'est fou du bon boulot avec Mandala, Laurette... De même que je vous ai fait ce compliment il y a très longtemps, j'ai dit, Perrault, ça manquait à notre paysage audiovisuel, CPL TV, chapeau. Belambouy, je vous ai appelé parce que, j'ai dit, hein, je vous suis, hein, je vous lis également, vous avez... des larges connaissances sur la situation dans l'Est de la RDC. D'ailleurs, dans la présentation, où j'ai dit que vous êtes un spécialiste de la région des Grands Lacs. Ça, parmi les journalistes, personne ne peut vous contester ça. Parce que la question des Banyamulenge avec l'affaire Minemwe refait surface, il faut quand même qu'on en parle. Mais vous-même, je sens également que vous avez un attachement à la question Banyamulenge. Pourquoi vous vous intéressez autant à la question des Nilotiques, des Tutsis, des Banyamulenge en République démocratique du Congo? Pourquoi cet intérêt particulier que vous avez sur cette communauté-là? Bien, j'étais encore aux études. Vous savez, nous avons connu la malchance avec les fermetures. Nous sommes la génération malchance, celle qui commence les études en 90, parce que les cours commencent effectivement en janvier 91 et en avril, mon bout de ferme les universités. Donc il nous faudra 5-10 ans pour faire une licence. Ça fait que quand la guerre de l'AFDEL commence en 96, non, je note d'abord quelque chose d'important. Pendant que j'étais encore aux études, j'ai eu accompagné un ministre de l'Intérieur en 93 dans le Massissi, où la guerre ethnique venait de commencer. Donc il y avait eu un massacre en Toto, c'est à Walikale, mais l'effet boomerang a fait que ça entraînait juste dans le Massissi. La guerre après Massissi, il y avait des affrontements. Nous sommes partis. Donc il était question qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc j'étais présent. J'ai donc remarqué qu'il y avait des groupes de population, donc les Baoundé, les Banyanga, les Batembo, qui se considéraient comme autochtones, donc vrais originaires, et dénié au Hutu et Tutsi la nationalité congolaise, zaïroise. Déjà en 93. 93. Et nous avons visité beaucoup de villages incendiés, il y avait beaucoup de morts. Selon les rapports de l'église catholique de Goma de l'époque et de la Caritas, de l'Oxfam, on a dit que de mars à septembre 93, le total, il y a eu plus de 3000 morts et plus de 150 000 personnes déplacées. Vous savez, béni, nous pleurons béni aujourd'hui. Depuis 6 ans que ça nous totalise 3000 morts. Mais là, c'est de mars seulement à septembre, en une seule année, il y a eu 3000 morts. J'ai suivi tout ça, j'avais déjà eu une idée. Et en 96, parce que j'étais journaliste en étant étudiant, en 96, j'avais abandonné le journalisme pour me consacrer vraiment aux études. En 96, quand la guerre commence, il y a une campagne de haine contre tout ce qui est Tutsi dans Kinshasa. Les gens sont le Rwandais, ils sont. Rwandais, voilà, on attaque, les gens, on tabasse, y compris sur le campus de l'université de Kinshasa également. J'ai suivi ça. Je n'étais pas opposé à cette campagne-là, même si moi-même je ne me suis pas livré. Mais à la fin, je me suis posé la question, mais pourquoi
qu'est-ce qui se passe effectivement? Pourquoi des gens se battent pour revendiquer leur nationalité, pour revendiquer la reconnaissance de leur nationalité? Devenu journaliste au potentiel à partir de 2001, je me suis donné la peine de me dire, mais je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai eu la chance de voyager dans le Kivu, y compris pendant que l'URCD était encore là, pendant la rébellion. J'étais amené là, le seul journaliste par Ketumile Masire, facilitateur du dialogue intercongolais, ancien président du Botswana. Moi, j'étais dans les territoires occupés par l'URCD. J'avais commencé déjà les contacts. Par la suite, à la unification du pays, je fais le tour du Kivu vraiment de part en part. Donc, Nord-Kivu, donc Kiro-Luire, Kiro-Tché, Massissi-Centre, Vichumbi, Ruchuru, Kiwanja, partout. Sur le Kivu jusqu'à Minembwe, Rugezi, j'ai vu là où Rubero est né, à Rugezi, j'étais partout. Ou Vira, j'étais partout. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai parlé aux gens, aux gens ordinaires. Et vous pensez, vous restez convaincu que notre avenir, en tant que nation, en tant que pays, dépend de la perception que les gens ont de cette question-là? Ça fait partie, effectivement. Et vous savez, j'ai pas achevé en disant que j'ai eu la chance d'aller en 2004 à Tervuren, au grand musée d'Afrique centrale coloniale de Belgique. Voyez-vous, donc j'ai pu photocopier des documents, j'ai pu en noter d'autres avec des références. Donc, je me suis fait une opinion sur cette question-là, d'ailleurs. D'ailleurs, à la demande de nombreux amis, comme Udi Kalinga et Laurette Mandala, Israël Moutala, qui m'ont demandé, mais puis tu maîtrises la question, écris un livre là-dessus. Je viens d'achever la rédaction de ce livre-là. Je veux tellement qu'il sera mis sur le marché l'année prochaine. Donc, pour répondre à votre dernière question, nous avons un hymne national que nous commençons par ces paroles. Des bouts congolais unis par le sort. Donc nous n'avons pas été unis parce que un quelconque de nos ancêtres, moi Tayanvo de Bakarunda ou Nzingankouvu de Bakongo, a décidé de nous réunifier dans un seul pays. Non, nous avons été unifiés par le sort. Le sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le hasard, ça veut dire un tirage au sort. C'est le hasard de l'histoire. Les Belges sont arrivés sous le commandement de Léopold II. Ils ont pris ce territoire en se disputant avec les Portugais au sud, l'Angola, les Allemands à l'est, qui étaient au Rwanda et au Burundi, les Britanniques qui étaient en Ouganda, ainsi de suite. Ils ont pris le grand morceau pour faire le Congo. Ils ont mis ensemble des populations qui n'avaient absolument rien à voir les uns les autres, qui ne se connaissaient même pas. Quand vous avez les Abarambo, vous connaissez les Abarambo? Abarambo des provinces orientales, ces retours de compatriotes avec les Andembo, vous connaissez les Bandembo? Les gens de Lualaba aujourd'hui, ils deviennent des compatriotes alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir entre eux. Alors, si nous voulons garder ce pays uni dans ses frontières telles qu'il est, dans la paix, de façon durable, nous devons nous accepter tels que les Belges nous ont formés. Si nous commençons les stigmatisations, toi tu n'es pas Congolais, toi tu n'es pas cela, toi tu dois quitter ici, nous allons plonger le pays dans un chaos et au risque d'aboutir un jour à une balkanisation. Mais là, oui, allons droit au but et je vais mettre le pied dans le plat parce que nous allons parler de la pure vérité historique sur les Banyarwanda et les Banyamulenge. Oui. Commençons par les Banyamulenge parce que c'est là le problème. Est-ce que les Banyamulenge sont-ils des Congolais? La caméra est là devant vous. Je réponds en m'assumant de façon extrêmement convaincue. Oui. Ce sont des Congolais. Qui sont les Banyamulenge? Avant de nous dire qui sont les Banyamulenge, vous allez lire dans l'histoire de ce pays, parmi les ethnies, il n'y a jamais eu une ethnie qui s'appelle les Banyamulenge, M. Belarmbouy. C'est une très bonne question qui me permet de pouvoir dire à tous ceux qui nous regardent qu'il n'existe aucune liste officielle d'ethnies du Congo. Première chose. Qu'il s'agisse de l'EIC, l'État indépendant du Congo de Léopold II, qu'il s'agisse du Congo belge, la colonie, qu'il s'agisse du Congo indépendant depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, l'État congolais n'a jamais dit « je fais la liste des ethnies qu'on compose ». On se connaît des faits, même si l'État ne le fait pas, mais on a nos habitudes, on sait ça, on se connaît, on n'a pas forcément besoin de comprendre. C'est de l'histoire qui remonte d'après longtemps, M. Belarmbouy. Exactement. D'abord, il fallait d'abord lever cet équivoque-là, okay. Parce qu'il y a des gens qui vous sortent des petites cartes ici, par là, voilà, ici, il n'y a pas tel, ici, il n'y a pas tel. Non. Les cartes ethnographiques, les listes d'ethnies, ça, ce sont le fait des chercheurs.
ou des administratifs de la colonie, par exemple. Lorsque les colons arrivaient à gérer un tel territoire, ils peuvent faire un rapport pour dire que chez moi, ici, j'ai tel groupe ethnique. Ça nous permet de connaître un peu notre géographie humaine, vous comprenez ? Mais ce n'est pas un document officiel qui dit, si vous n'avez pas vu, comme j'ai entendu Nzangi Muindo le dire, de façon particulièrement honteuse à la tribune de l'Assemblée nationale, parce que le document que lui détenait, il n'y avait pas le nom de tel, donc ce tel-là, donc de Banyamulenge, ne devait pas être congolais. Revenons, qui sont les Banyamulenge ? Honte, ça. C'était ça, ce que vous disiez. Honte. Je tiens à préciser, avant de répondre à cette question, que, comme vous l'avez dit, je m'appelle Bélard Mboui, je suis du Kassai de père et de mère. Je suis Moulouba du Kassai de père et de mère. Mon épouse est du Bas-Congo et je n'ai absolument rien à voir avec le Kivu d'aucune façon, sinon par le fait que les gens du Kivu appartiennent au même pays que moi et sont donc mes frères congolais. À part ça, je n'ai aucun intérêt particulier avec ni les uns ni les autres. Je suis uniquement mu par la vérité historique. Qui sont les Banyamulenge? J'aurais peut-être aimé commencer parce que les appellations font un peu problème. Par les Banyarwanda. Par parler par Banyarwanda. Allons-y, en fait. Les Banyarwanda, qui sont-ils? Dans l'ancien, avant qu'on nous colonise, nous avions en Afrique plusieurs royaumes dont les habitants étaient appelés en fonction du nom du royaume. Nous avions ici le royaume Congo, par exemple, qui s'étendait de l'Angola jusqu'au sud du Gabon. Le royaume Congo, il parle Kikongo et les habitants sont les Bakongo. Nous sommes d'accord. Même si, en dessous de l'appellation globale du peuple qui est Bakongo, on peut avoir des sous-groupes qui peuvent être, comme en Angola, les Bessikongo, les Bangwene, les Bandibou, c'est chez nous. Chez nous, nous avons Bandibou, Bayombe, consort. Au Congo, par exemple, nous avons les Babembe, les Balari, consort. Mais tout ça, c'est le peuple Bakongo. Donc, que vous appeliez le prophète Simon Kimbangu Mukongo, vous dites vrai. Que vous l'appeliez Musingombe, vous dites aussi vrai. Nous sommes d'accord sur ce. Alors, l'ancien royaume Rwanda, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'ancien royaume Rwanda était un peu plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Et les citoyens du Rwanda parlent même jusqu'aujourd'hui, Kinya Rwanda. Et ils sont Banyarwanda. Donc, les gens qui parlent Kinyarwanda sont des Banyarwanda parce que tu es citoyen du royaume du Rwanda. Même si en dessous de cette appellation globale, ils peuvent être les uns Hutu, les autres Tutsi, les autres Batois. Ok? Et que lorsque on a eu à découper les frontières, il y a une partie du royaume du Rwanda qu'on a intégrée dans le Congo belge. C'est la partie actuelle de Nyiragongo, par exemple, et une grande partie de Rutshuru, qu'on appelle la collectivité chefferie de Bouicha aujourd'hui. Ça appartenait au Rwanda. Ça ne doit pas nous faire de honte. C'est comme ça que ça s'est fait dans toutes nos frontières. Et une autre partie d'ailleurs est partie en Ouganda. Les Ougandais n'en font pas un problème, voyez-vous. Je peux même vous donner une anecdote. Trois frères Tutsi de l'ancien Rwanda à l'époque, lorsqu'on a fait ce découpage, se sont retrouvés dans trois pays différents. L'un, dans ce qui a gardé le nom du Rwanda, donc dans le protectorat allemand. L'autre, dans la colonie britannique de l'Ouganda. Et le troisième, c'est le Belgique, Congo belge, dont ici, sinon au Congo. Et leurs trois petits-enfants, le nôtre, donc dans le territoire de Rutshuru, est devenu ministre de l'agriculture sous Mobutu, c'est le ministre Senzei Iriamukuru. Le petit-fils de l'Ougandais est devenu le général Kale Kayihura, qui a été le commandant de la police nationale ougandaise. Et le Rwandais, le petit-fils du Rwandais, c'est le général Jack Nziza, donc Jackson Kurunziza, qui a été le commandant de renseignement militaire de l'armée ougandaise. Ça, vous les prenez où? C'est des illusions donc, ou c'est de l'histoire, c'est de la science? De terrain, je vous dis des gens qui vivent. Okay. Tous les trois sont vivants. Les gens qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc on peut les vérifier trois ça. Sont, vous pouvez vérifier, les trois sont vivants aujourd'hui. Les Ougandais, jamais ils n'ont dit à Kale Kayihura parce qu'il a des cousins au Congo, qu'il est Congolais. Jamais. Ils n'ont pas dit au général Kale Kayihura parce qu'il a des cousins au Rwanda, il est Rwandais. Jamais.
Les Rwandais ne disent pas Jackson Nziza parce qu'il a des cousins en Ouganda, il est Ougandais, ou il a des cousins au Congo, il est Congolais, jamais. Chacun accepte. Il n'y a qu'au Congo où les gens ont tendance maintenant à dire à Senzei, puisque tu as des cousins au Rwanda, tu dois être Rwandais, mais vous pouvez aussi l'envoyer en Ouganda parce qu'il a des cousins en Ouganda. Donc, ça déjà, on a établi le fait que les anciens citoyens du Rwanda s'appelaient les Banyarwanda. Ok? Mais ils peuvent être, ne pas être citoyens du Rwanda. Je vous ai parlé du général Kale Kayihura, il est Munyarwanda. Tutsi de l'Ouganda, il n'est pas Rwandais. Voyez-vous? Autant qu'on peut être. C'est-à-dire, on peut être Munyarwanda tout en étant Congolais. Tout en étant Congolais. Les choses doivent être claires là-dessus. Doivent être claires là-dessus. Autant qu'on peut être Munyarwanda mais Ougandais. Ça veut dire qu'on est au départ originaire d'un territoire qui est aujourd'hui l'ancien Rwanda, mais le découpage du blanc a fait que vous vous retrouvez dans un autre territoire autre que l'ancien Rwanda. Exactement. Donc, ce ne sont pas les seuls cas. Vous avez visité l'Afrique du Sud de Pérou, je le sais. Vous connaissez le Swaziland, c'est un pays que j'aime beaucoup. Les Baswazi. Swaziland veut dire le pays des Swazi. Mais vous n'avez en Afrique du Sud une grande ethnie dans la province de Limpopo qui s'appelle Swazi. D'abord, il y a plus de Swazi sud-africains que de Swazi du Swaziland. Mais les Sud-africains ne disent pas aux Swazi parce que vous appelez Swazi, c'est que vous êtes de Swaziland. Non, ils comprennent qu'il faut faire la part des choses. On est de la même ethnie, mais l'ethnie a été divisée en deux. Un pays a gardé le nom Swazi et nous, on est Afrique du Sud, mais ils sont Sud-africains. Ce n'est pas la faute des Rwandais, ce n'est pas la faute, c'est la faute de la colonisation avec le découragement. Exactement. Monsieur Nemoine Dansem, il le dit souvent, même si on ne le prend pas très au sérieux, mais il dit vrai lorsqu'il évoque ce genre de questions. Voyez-vous, ça c'est la première des choses. Maintenant, laissons le Nord Kivu, retournons chez nous, allons au Sud Kivu, nous parlons des Banyamulenge. Les Banyarwanda, on note, c'est des originaires du Rwanda, ouais, au départ, mais qui se retrouvent dans plusieurs pays après les découpages. Voilà. Ils n'ont pas migré. Ils n'ont pas migré. Dans les Rutshuru, ils étaient toujours là, c'est chez eux. Quand vous êtes à Rutshuru, vous avez Urumangabo, vous avez Rugari, Gisigari, Urubare, tout ça c'est en quelle langue? C'est en Kinyarwanda. Donc, ils étaient chez eux, c'est là qu'ils sont. N'ont pas bougé. Mais par contre, les Banyamulenge, c'est un cas à part. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui ont quitté, avant que les Blancs ne viennent, c'est des gens qui ont quitté le Rwanda, anciens, qui ont migré avec leur troupeau de vaches et qui sont allés vers Uvira chercher de nouveaux pâturages parce qu'ils fuyaient. Ils fuyaient le roi qui était là à l'époque au Rwanda. C'est-à-dire que ce sont des Rwandais qui, pour des raisons particulières, ont quitté le Rwanda pour une migration vers le Congo. Non, dire que ce sont des Rwandais, ça va prêter à confusion. Imaginons les Bakongo. J'essaie d'interpréter ce que vous dites. Non, non. Ok. Rwandais, ça dit non. Les gens, les anciens citoyens du royaume Rwanda, ne les appelons pas Rwandais. Appelons-les Banyarwanda, tout simplement. C'est comme les Bakongo anciens, avant que les colonisateurs ne viennent créer tous nos pays ici. Si une partie des Bakongo quittait le royaume Congo pour aller s'installer en Namibie, on ne va pas les traiter de Congolais, non. C'est juste des Bakongo qui ont juste quitté leur pays pour s'installer en Namibie. Donc, les Banyarwanda sont... Le Banyamulenge sont les Banyarwanda. Voilà, des Banyarwanda du Rwanda ancien avant la colonisation, mais qui ont migré. Ils sont venus s'installer dans les plateaux, dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Ils ont trouvé un climat propice pour leur élevage bovin avec leurs milliers de vaches. Ils sont installés là-bas. Donc, ils sont sur des terres qui n'ont jamais appartenu au Rwanda dans l'histoire. Et qui ne sont même pas proches du Rwanda. Ils sont très éloignés géographiquement du Rwanda. Ils sont allés s'installer là-bas, comme les autres ethnies qu'ils ont trouvées étaient aussi venus s'installer dans cette route. Quand on ne parlait pas d'Uvira, Uvira, les premiers habitants, c'était des Pygmées. Les Bavira sont venus ensuite. Les Bafuliro sont venus après les Bavira. Mais on ne va pas dire des Bafuliro qui ne sont pas Congolais parce qu'ils sont venus après les Bavira. Non, c'est chacun à son heure. L'essentiel étant qu'ils sont arrivés là longtemps avant l'arrivée des colons. La caméra est là. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire que ce que nous appelons ici Banyamulenge sont arrivés avant 1887, c'est ça, quand le Belge arrive ici chez nous. Ils se sont installés sur nos terres bien avant l'arrivée de la colonisation. Ils ne se sont pas installés sur vos terres, non. Ils sont arrivés sur la terre où chacun s'installait. Une fois installé, ça devient vos terres. La même façon que nous sommes aussi installés. Nous ne sommes pas nés là. Nous n'avons pas poussé là comme des champignons, non. Nos ancêtres sont venus du nord. Les ancêtres, Banyamulenge, se sont installés bien avant l'arrivée de la colonisation. C'est important parce que là aussi, il y a des problèmes. On dit qu'ils sont arrivés en 59, ils ont profité des Mobutu.
il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Oui, il y a, je sais, j'ai suivi Kadiombo, mon grand frère Kadiombo, qui a commandé. Tu vois, l'extrémisme prospère sur le mensonge. J'ai suivi mon grand frère Kadiombo qui a testé ici que l'ancien, le regretté DG de l'OFIDA, Ruguizade est enterré au Rwanda, dans votre émission ici. Mais vous savez, nous pouvons nous embrouiller sur les faits passés, loin dans l'histoire. Mais quand il s'agit même des faits présents, donc, que nous avons vécu nous-mêmes, qui sont passés même pas en Tanzanie, non, mais dans la ville où nous sommes, il y a déjà des mensonges pareils. Vous comprenez qu'il y a une difficulté. Kadiombo a menti de sang-froid. Ruguiza repose ici à Kinshasa, nécropole. Vous avez d'ailleurs les images que nos... J'ai les images si vous voulez voir. Oui, nos techniciens sont en train de montrer à nos téléspectateurs. Donc, il est enterré ici à Nécropole, entre ces l'été, ici à Kinshasa. Vous voyez comment, avec les mensonges, on est en train d'alarmer la foule, de galvaniser les peurs pour pousser les gens à s'haïr les uns les autres. Vous imaginez, quand quelque chose d'aussi anodin qui se passe devant nous, on ment comme ça. Mais quand il s'agit de relater les choses qui se sont passées depuis des siècles, ça va être comment? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas habillé en bleu, jaune, mais j'adore le principe pièce contre pièce. Mais je suis prêt à affronter n'importe qui voudrait bien m'affronter dans un débat régulier. J'ai ici des trucs. Je ne pouvais pas tout photocopier ou amener tous mes livres, mes archives ici, mais j'ai photocopié le plus essentiel. Alors là, si vous le permettez. Allez-y. J'ai ici l'étude ethnographique de Litombwe, district du Kivu, Congo belge, par Frédéric Othman, 1949. C'est ça. Que dit-il, Frédéric Othman? Que dit-il donc? Étude ethnographique, ça veut dire l'étude des ethnies. Parce que lui, il est allé étudier les ethnies des hauts plateaux. Que dit-il à la page 176? Donc, j'ai photocopié généralement la page de où il y a le titre ainsi que les pages concernées. Que dit Frédéric Othman à la page 176? Il dit ceci. Au sud-ouest de Kilimambwa, là, c'est dans les hauts plateaux, dans le territoire de Fizi déjà. Il n'y a plus de village. Donc, en train de marcher, il voit qu'il n'y a plus de village. C'est vide. C'est une sorte de no man's land. No man's land, ça veut dire l'endroit où il n'y a personne. Qui commence et qui s'étend à plusieurs journées de marche vers l'ouest. Vers le Maniema. On va dire que le Maniema. Le pays très accidenté de ses grandes altitudes est uniquement habité par quelques groupes de Banyarwanda et de Barundi. Dont un certain nombre de métis Watusi, ça veut dire les Tutsis. Facilement reconnaissables à leur grande taille, leur trait amitique et leur constitution asthénique. Donc, là où ce monsieur décrit en ce moment-là, il n'a trouvé comme habitants que les Banyarwanda Tutsi. Et là, nous sommes en 49. Nous sommes en 49. Pas 59, déjà comme Kadiombo l'a dit. L'étude a été publiée en 49, ça veut dire que lui, il a été là longtemps avant. Il fait des recherches pendant plusieurs années, il finit par publier longtemps après. Voyez, ça date de l'époque coloniale. Il était habité uniquement. Et voir aujourd'hui les gens vous sortir, nous ne voulons pas que notre terre parte. C'est pas leur terre, c'est la terre de qui? Mais enfin, arrêtons. Ça, c'est Frédéric Othman. J'ai ici les auteurs de référence. Nous avons Georges Weiss. Ce n'est pas n'importe qui, Georges Weiss. Georges Weiss a étudié, lui, le territoire d'Ouvira. Il a publié ce livre dont j'ai photocopié ici. Le pays d'Ouvira, étude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganyika. Il a publié le livre en 1959. Que dit M. Weiss à la page 148? Il dit ceci. Peu avant 1900, maintenant nous cherchons quand est-ce que ces gens, ces Banyarwanda qu'on a vus ici, sont arrivés. Peu avant 1900, quelques familles de passeurs Tutsi, fuyant le Rwanda, traversèrent la Ruzizi, pénétrèrent au Congo et se fixèrent en premier lieu à l'Emera, dans la chefferie de Fuleru. Les descendants de ces émigrés gagnèrent la chefferie de Vira et y fondèrent les villages de Galier, Munanira, Kishembwe et Kalonge Kataka. Au-dessus des derniers villages Vira, l'immigration des Rwanda, ça c'est très important. Quand on dit des Rwanda, ça veut dire des Banyarwanda. C'est comme on peut dire les Bakongo, on peut les appeler Congo ou Bakongo, sans donc préfixe. L'immigration des Rwanda ne donna pas lieu à des réactions hostiles de la part de Vira, parce qu'elle se localisa en dehors des terres occupées par ceux-ci.
Dès leur arrivée, les Rwandais ont en effet orienté leur activité pastorale vers le plateau, en dehors du champ d'intérêt de l'agriculture Vira. Ils y ont dispersé leurs gardiens chargés de leurs immenses troupeaux, 11 000 têtes de bovins actuellement, et poussé quelques familles jusque dans la région de Luemba, tout ça. Mais il ajoute ceci. Mais toujours dans des zones auparavant inoccupées. Auparavant inoccupées. Donc même quand ils font la migration, ils ne chassent pas les gens. Ils n'ont chassé personne. Ils ne, ils ne vont s'installer que là où il n'y a personne. Là où il n'y avait personne. C'est ça le problème. Quelqu'un vous dit aujourd'hui, non, non, c'est notre... Enfin, arrêtez. C'est ça. Et si vous voyez Weiss, à la page 121, Weiss place ce tableau. Ce tableau est intitulé « Répartition des peuples dans les trois villages du plateau » qu'il a étudié. Vous voyez, quand vous regardez ça, Pérou, vous voyez que à la première... ligne ici, la première colonne dans le tableau, il y a les Rwanda, donc nos Banyamulenge actuels. Mais vous remarquez que à la sixième colonne, il y a les Rwandais. Ça veut dire qu'il a fait une distinction entre les Rwanda, dont les Banyarwanda congolais, et les Rwandais, dont citoyens du Rwanda. D'ailleurs, il met ici une note en bas de page 1, que tu peux lire là en bas de page, il dit: le peuple que nous appelons Rwandais est directement originaire du Rwanda, un nom du clan des Rwanda qui en émigra au début du siècle vers le Tomboï. Voilà. Donc Weiss émet une différence claire et nette entre les Banyarwanda du Sud Kivu, que nous appelons aujourd'hui Banyamulenge, et les citoyens du Rwanda. Nous avons ici une autre étude de l'un des plus grands connaisseurs de cette région, qui est Jean Yernaud, qui est intitulé « Note sur les Tutsis de l'Itomboï ». Voilà. Il commence par dire au cours du 19e siècle, avant l'arrivée des Européens, dans cette partie de l'Afrique centrale, un groupe de pasteurs de la caste Tutsi quitta pour des raisons politiques, semble-t-il, le royaume du Rwanda et alla s'établir sur le haut plateau de l'Itomboï. Ça, c'est Yernaud. Ça, ce sont des études écrites avant l'indépendance du Congo, in tempore non suspecto. Ça veut dire que quand ils ont écrit, ils ne savaient pas qu'un jour il y aurait des tarés qui vont venir mettre en cause. Sois gentil avec les gens, ils ne sont pas des tarés. Mais il y a plus important, il y a cette étude de M. Looms. M. Looms est le premier administrateur du territoire qu'on appelait à l'époque territoire de Bafuléro. Ça veut dire le Fizi actuel et Ouvir actuel. Au départ, on appelait ça territoire de Bafuléro. En 1933. Il a essayé d'étudier le peuple de son territoire. C'est un Belge. Vous verrez, il a étudié tous les peuples avec leurs clans, les Babembe, les Basimunyaka, les ceci, cela et tout ça. Et que dit-il vers cette page que je vous montre? Il y a ici ce qu'il appelle la fraction. La page 7, il y a la fraction Banyarwanda. Ils ont plusieurs groupes, mais le groupe qui nous intéresse le plus important, c'est le Banyarwanda de Kaila. Lui, il écrit Kaila. En fait, c'est le Banyarwanda, ils disent Kaira. Entre parenthèses, Watutsi nomades. Il dit ceci: leur apparition dans le Bufulero, donc du côté Ouvira là-bas, remonte à l'époque de Mamboko, donc le roi des Bafuléro de l'époque, soit bien avant l'occupation européenne. Alors, il ajoute ce qui est un élément très important. Il dit, ils abandonnèrent leur milieu d'origine, donc ils ont quitté le Rwanda d'origine, pour échapper aux cruautés de leur roi Kaindiro. Donc, lui, il précise, après avoir étudié, il dit, ils avaient fui la cruauté du roi qu'il y avait à l'époque au Rwanda qui s'appelle Kaindiro. Donc, on leur fait un procès inutilement. Mais il y a quelque chose de très important. Ils nous ont rien arraché, ils sont arrivés très bien loin avant l'arrivée des colons. Kaindiro, en fait, c'est Yuhi Gahindiro. Donc, tout celui qui nous suit peut regarder sur YouTube qui est Gahindiro. Moi, j'ai imprimé la page YouTube de Yuhi Gahindiro. Donc, imprimé la page en anglais. C'est la page anglaise de Yuhi Gahindiro. On dit, c'est était roi du Rwanda de 1746 à 1802. Là, les Belges n'étaient pas encore là. Les Belges n'étaient pas encore là. Donc, si les Banyamulenge ont fui Gahindiro, donc leur départ du Rwanda de se situe à ce niveau-là. 1746 et 1802. Attendez. L'histoire enseigne que les Rwandais, les Banyamulenge qu'on dit aujourd'hui qui sont Rwandais, que certains Congolais réfutent,
selon vous, sont arrivés au Congo fuyant le roi Yuri Kaindiro. Ce n'est pas selon moi, je vous ai donné les documents que vous avez. Voilà. Et le roi Kaindiro a régné donc entre 1746 et 1802. Exact. Donc on peut supposer que c'est à cette époque-là que la migration a eu lieu, exact, qu'ils ont fui ces rois-là pour arriver au Congo. Voilà, donc les Banyamulenge sont arrivés chez nous, loin et très loin avant l'arrivée des Belges. Donc on peut situer leur arrivée dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la République démocratique du Congo, entre 1746 et 1802. Exactement. Ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne bien? Ça veut dire avant les Bayeke du Katanga, longtemps avant les Bayeke du Katanga. Les Bayeke du Katanga sont venus de Tanzanie en 1861. Ils ont créé le royaume de Garanganze avec Msiri en 1861 seulement. Et eux, on leur dit rien. On les appelle Bayeke. Bayeke, en langue Kisanga, ça veut dire seulement chasseur. Et les Bayeke sont considérés aujourd'hui. Les Munongo, l'ancien vice-gouverneur Kapapa Mukanda Bantu, ils sont là. Personne ne dit qu'ils sont tanzaniens. Ils sont arrivés longtemps après les Banyamulenge dans le territoire qui est le Congo aujourd'hui. Les Banyamulenge sont donc là longtemps avant les Bazaliens du Maniema. Vous voyez le Maniema quand vous êtes à Kasongo, les Bazaliens, les gens là qui sont de teint clair comme ça, qui sont les descendants des métis arabes venus de Zanzibar et ayant suivi Tipo chez nous, qui sont au Maniema vers 1868. Et une partie de cette communauté a été installée à Mambasa, à Nitouri aujourd'hui, en seulement 1915. On les appelle les arabisés. Quand vous êtes à Mambasa, dans le secteur de Mambasa, la population s'appelle les arabisés. C'est comme ça qu'ils sont un peu teintés, ils sont un peu comme le Bamani Salah. Les musulmans, voilà, et tout ça. Mais ils sont là 1915 seulement. Donc, y a pas près d'un siècle après le Rwandais, après le Banyamulenge. Vous imaginez? Personne dans cette province, Katanga ou là-bas, personne n'a fait problème. Moi qui suis du Kassai, les Bimbadi, sont Kassai depuis quand? Ce sont des gens qui sont venus avec les explorateurs autrichiens, Podge et Wissmann, qui sont venus contribuer à la fondation de la ville de Kananga, le Luaburu à l'époque, qui était en pleine construction à l'époque, vers 1860, quelque chose là. Quand ils sont arrivés pour la première fois. Mais ils ne pouvant plus rentrer en Angola, c'était des gens de Ouidj en Angola. Ils sont restés, on les a surnommés Bimbadi. Ils sont pleinement kassaïens. Personne n'a fait un problème. C'est quoi ce logiciel qui alarme les gens, qui veut exclure les gens, qui ne sont même pas nombreux? Ben, les Molenges, c'est combien ils sont? S'ils sont nombreux, c'est 100 000 personnes. Ça, on doit s'alarmer pour ça. Qui sont sur leur terre? Oh, ils sont sur nos terres, sur nos terres, sur nos terres. Quelle terre qui vous appartient à vous? Belarmoui. Est-ce que le problème, ce n'est pas les Banyamulenge eux-mêmes? Lorsque Félix Tshisekedi dit que les Banyamulenge sont congolais, mais c'est à eux d'éprouver effectivement qu'ils sont congolais. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui provoquent et qui ne veulent pas intégrer la communauté congolaise? Ils veulent avoir un traitement particulier et veulent vivre en marge autant que les autres Congolais. Au point plutôt, ce que j'allais dire, que les autres Congolais n'acceptent pas ces comportements-là, un peu différents des cultures congolaises. Ça, ce sont des faux débats. C'est des vrais débats, parce que quand le président lui-même dit que le Banyamulenge sont Congolais, mais c'est à eux d'éprouver qu'ils sont Congolais. C'est là le problème. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a une ouverture d'esprit qu'il faut saluer. En prononçant cette phrase, il a eu un courage formidable. Il pouvait faire comme tout le monde. Je cherche la popularité. Je dis comme Fayoulou, Martin Fayoulou dit que les Banyamulenge ne sont pas congolais. J'aimerais voir Fayoulou, président de la République, un jour, président d'un conseil supérieur de la défense, et demander au général Massounzou, dit, monsieur Massounzou, lève-toi, sors de la réunion, tu n'es pas congolais. J'aimerais le voir. Ou chasser les Tutsis comme le général Obedi Rwabasira et ou le général Nganizi. Je peux le voir, il sera quel genre de président? Un président doit se comporter en responsable. Et Félix Tshisekedi s'est comporté effectivement en responsable. Maintenant, pourquoi il y a tous ces problèmes de conflit? Il faut que notre peuple comprenne de quoi il s'agit. C'est quoi le problème? Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement eux? Ils sont instrumentalisés par le Rwanda. Ils jouent le rôle du Rwanda et de l'agresseur. D'abord, vous préférez quoi? Dites-nous. Question pertinente. Je voudrais d'abord expliquer que pendant la colonisation, le problème ne s'est jamais posé. Vous pouvez voir, par exemple, je détiens ici ce document Congo-Belge.
circonscription indigène. Décret du 5 décembre 1933. Décret créant le secteur de Tanganyika. C'est ce décret-là. Quand vous regardez, quand on crée ce secteur de Tanganyika, on reprend les villages avec leur chef. Vous voyez ? On reprend les villages avec leur chef. Et quand vous regardez dans le groupement de Bassimouniaka, vous avez le village de Lulimba, avec le chef Lutambui. Et vous voyez son clan, Banyarwanda. Donc ce sont les Banyamulenge que vous voyez ici. C'est le chef du village de Lutambui, de Lulimba plutôt. Déjà à cette époque-là. Quand on crée ce secteur de Tanganyika. Donc ils ne veulent pas arracher la terre des gens. Ils n'ont arraché la terre de personne. Ils ont chacun à son village. Vous avez ici dans le secteur de Balala, vous avez le village de Kumbui, vous avez le chef, c'est Kouacha, et vous avez le clan, c'est Banyarwanda. Vous voyez ça? Ça, c'est le décret de 1933 à la création même du secteur de Tanganyika. Vous avez là cette réunion du conseil de Tanganyika du 4 juin 1947. Les gens qui y participent, conseil du secteur, les gens qui y participent. Vous avez ici, les membres du conseil sont, mais vous avez ici, monsieur Simbeo Simon, il est conseiller. Simbeo Simon, c'était Mounyamoulengue. En 1947, il participe au même titre que les autres conseillers, chefs de village, d'autres notables. Ça n'a jamais causé de problème. Évidemment, le contre-adieu est en Swahili, mais vous voyez ici sur la cité Itacha, et le chef de cité qui s'appelle Bwana Muvuka, ainsi que tous ces notables, Lukabanira, Kaota, Muhavu, Ndorerwa, Enyandida, tous de Banyamulenge. Le problème ne s'est jamais posé. Même quand on obtient l'indépendance, nous sommes ici, ça c'est encore un document de 47, vous avez les différents dispositions suivantes. Tu as le Bassimouniaka ici, tu as les autres là, tu as les Banyamulenge ici. Qu'est-ce qui se passe, M. Belarmbouy? C'est quoi le problème aujourd'hui? Pourquoi eux? Oui, je vais y arriver. Nous sommes en 52. Il y a eu un conflit entre la société à charte belge, CFL, qui voulait aussi faire ses élevages dans les hauts plateaux de Minembwe. Il y a eu dispute entre eux et les Banyamulenge qui avaient aussi beaucoup de vaches à l'époque. Alors, il a été convenu pour mettre fin. Il y a eu cet acte notarié signé entre les autorités de la province avec le notable Banyamulenge pour que ceux-ci acceptent de leur vendre leur terre de pâturage pour qu'ils puissent y élever leurs vaches. C'est au Banyamulenge qu'on a payé. Vous voyez le point là. Ils expliquent que si on nous paye les 73 000 francs belges de l'époque, francs congolais de l'époque, les indemnités déjà reconnues par les notes de passation, nous sommes d'accord de signer ces notes pour nous présenter à Kipupu. Vous avez les signataires, tu as Muhiri et Sedihunga. 1952, ils ont vendu leur terre de pâturage. Et ceux qui se disent, non, ce notaire, ils étaient où pour vendre quand les autres vendaient? Ils pouvaient vendre le terre qui ne leur appartenait pas. Voilà d'où est ce problème, Perrault. Il faut que les gens m'écoutent très bien. En 1959, au Rwanda, il y a une révolution qu'on a appelée la révolution sociale, où les masses Hutu ont renversé la monarchie Tutsi. Alors, bon, nombreux Tutsi ayant été massacrés ont fui le Rwanda, se sont réfugiés. Les uns au Congo, les autres en Ouganda, d'autres en Tanzanie, qu'on sort. Alors, parmi ceux qui sont venus chez nous, une partie a été installée en 1964 par la Croix-Rouge dans la partie sud du Sud-Kivu, ça veut dire vers Moulengue, Katobo, dans le territoire d'Ouvira. Là, nous sommes en 64, après l'indépendance. Après l'indépendance. C'est cette vidéo-là que beaucoup de gens vont prendre pour montrer aux gens, voilà ceux qui sont devenus Banyamulenge. Ça n'a rien à voir avec les Banyamulenge. Alors, puisqu'ils viennent du Rwanda, on les appelle Banyarwanda, en tant que citoyens du Rwanda, et que les nôtres qui ont leur troupeau dans les hauts plateaux, on les appelle aussi Banyarwanda. C'était de tous les deux. Il va y avoir un problème de confusion. Alors, en 60, la même année, les Lumumbistes veulent lancer la rébellion contre le gouvernement de Kasavubu avec son chef d'état-major Lumumba. Ok? Les rebelles, Mbengue, qui était l'adjoint de Lumumba, envoient Kabila et Soumialo au Burundi pour voir dans les
réfugiés congolais qui étaient là-bas, sélectionner les gens qui peuvent commencer faire l'embryon de la première de la rébellion de Simba. Ils vont faire cette rébellion-là. Quand ils vont entrer par Uvira, tous les chefs locaux de cette partie-là vont rejoindre la rébellion. Ça veut dire les Bafulero vont suivre Marandoura, les Babembe vont suivre Luecha, Sikatenda dans cette rébellion-là. Donc, les Tutsis du Rwanda réfugiés, membres du parti UNAR, Union Nationale Rwandaise, qui était dirigé à l'époque par François Rukeba, qui était de même obédience idéologique panafricaniste que Lumumba, vont décider de soutenir cette rébellion-là. Dans l'espoir qu'une fois qu'ils auront gagné à Kinshasa, ils les aideront aussi à aller renverser Kayibanda au Rwanda. Alors, les Banyamulenge vont être la seule ethnie de ce coin qui ne va pas intégrer cette rébellion. La rébellion va avancer, elle va connaître un grand succès jusqu'à Boenda en Équateur. Après l'arrivée de Moïse Tshombe avec ses mercenaires, la rébellion sera vaincue. Une fois vaincue et en débandade, ils arrivent dans la région d'Ouvira, ils vont monter dans les montagnes. Et pour manger, ils vont commencer à tuer les vaches des Banyamulenge. Les problèmes commencent. Donc vous avez les Tutsis rwandais qui sont avec les rebelles. Bafulero, Bavira, et Babembe. Et vous avez les Banyamulenge, Tutsis congolais, qui ne sont pas avec ces rebelles-là. Alors, puisqu'on tue leurs vaches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à combattre les rebelles. Et Mobutu, chef d'état-major de l'armée à Kinshasa, apprend qu'il y a une petite communauté d'éleveurs qui combat les rebelles. Tu sais, l'ennemi de notre ennemi étant notre ami, Mobutu va commencer à leur parachuter des armes pour combattre les rebelles, effectivement. Et ils vont bien se débrouiller dans cette affaire-là, et la rébellion sera totalement vaincue. À partir de là, il y a déjà cette rancune qui naît, qui fait que les ethnies de la partie sud là vont avoir gardé une dent contre les Banyamulenge parce qu'ils ont été les seuls à avoir soutenu l'armée nationale. Déjà, vous vous rendez compte, on leur reproche aujourd'hui d'avoir soutenu une rébellion. Mais à l'époque, ils étaient les seuls qui soutenaient le gouvernement central, alors que tous les autres soutenaient la rébellion. Voyez-vous. Et dans la foulée, Mobutu devient président en 65. En 70, il fait les premières élections. Dans cette partie du sud là, le seul élu, c'est Banyamulenge, Gisaro Moza. Il est élu le seul. Alors, ça crée des ressentiments. Eux, Mobutu les favorise. Ils avaient beaucoup de jeunes gens qui avaient intégré l'armée nationale congolaise, hein, ANC, qui avaient des officiers et qui étaient devenus un peu orgueilleux. La rancune naît. Vous voyez le problème? La rancune naît. Et Bissaro sera réélu en 77. Il mourra de façon mystérieuse dans un accident de la circulation. On ne sait pas si c'était naturel ou si c'était provoqué. Personne ne le saura jamais. Mais plus tard, lorsqu'en 94, un autre coup survient au Rwanda. Il y a un génocide, l'OFPR contre-attaque, il prend le pouvoir. Des millions de Rwandais hutus cette fois-ci de fer sur le Congo. Il faut arriver à les faire partir. On crée au niveau du Parlement, ici chez nous, la commission Vangu, dirigée par le député Vangu Mambweni, rapporteur. La commission Vangu va faire des propositions ubuesque, donc vraiment burlesque, d'un burlesque innommable. Il va dire qu'il faut renvoyer chez eux tous les réfugiés rwandais. Très bien. Mais il va inclure dans ces réfugiés rwandais les Banyamulenge, tous ceux qui parlent Kinyarwanda au Congo, ça veut dire les Hutu et Tutsi du Nord Kivu, des Rutshuru, de Masisi, ainsi que les Banyamulenge du Sud Kivu. Mettez tout le monde dehors. C'est le problème qui commence là. Banyamulenge n'avait fait de guerre à personne à ce moment-là. Le vice-président de HCRPT, le Parlement de transition de l'époque, Anzulu Nibembe. Beaucoup de documents de l'histoire l'attestent. Il va se rendre à Uvira, ensuite à Fizi, va tenir un discours incendiaire, appelant la population à prendre les armes contre les Banyamulenge. L'actuel ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, Loba Jingabo, à l'époque, il était vice-gouverneur de Kimbo-Olumona, ensuite il a été fait gouverneur intérimaire, il a donné un ultimatum à Banyamulenge de quitter le territoire national et d'aller au Rwanda en ayant une semaine. L'administrateur du territoire d'Ouvira, M. Chweka Mutabazi, va dire, bon, j'applique les résolutions de la commission Vangu, je dois confisquer tous les biens immobiliers de Banyamulenge dans Ouvira. Les malheurs de Banyamulenge commencent par là. Et c'est à l'époque où on crée, les milices se créent. Les milices, il y a les Dounia, les Madoadoa et consorts, ils commencent à attaquer Banyamulenge pour les chasser du Congo et les faire partir. C'est ça le début du problème. Bah déjà au nord Kivu, il y avait la chasse aux Tutsis et aux Hutus qui avait commencé, mais quand les Tutsis et Hutus du Rwanda sont entrés,
on a eu peur de Hutu congolais, on s'est fixé uniquement sur les Tutsis qu'on a, on a essayé de chasser. Il y avait plein de gens dans les camps au Rwanda. Alors on commence la même chasse aux Tutsis du Sud Kivu également, les Banyamulenge, qui commencent la fuite vers le Rwanda. Dans la détresse. C'est de là que le Rwanda, qui avait un problème avec le Zaïre de Mobutu, parce que le Zaïre avait accueilli 2 millions de réfugiés, qu'il n'avait pas éloigné de la frontière et qu'il n'avait pas désarmé, donc il n'avait pas désarmé les combattants, et qui faisait parfois de temps en temps des incursions au Rwanda pour tuer les gens et venir au Congo. Le Rwanda voulait repousser ces gens vers l'intérieur du Zaïre. Quand il voit le Zaïre chasse autant de Tutsis qu'ils viennent chez lui, il leur dit, mais moi je ne vais pas vous accueillir ici. Vous devez retourner chez vous, vous battre pour récupérer vos terres et votre nationalité. C'est là d'où vient l'expression, nous revendiquons notre nationalité. Parce que les gens le leur ont dénié. À l'époque, au HRPT, on a chassé du Parlement 2 députés, 3. On a chassé Moutiri, le petit frère d'Elvis Moutiri qui est député de Goma aujourd'hui. Moutiri est Hutu de Rutshuru. On a chassé du Parlement en disant qu'il était rwandais. On a chassé le vieux Rwakabu Bashinga du HRPT en disant qu'il était rwandais parce qu'il était Tutsi. Il y a même un député qui était Mouhavu, un homme très respecté, notable respecté, M. Kalengamire, Mouhavu de Idui, qui a eu le courage de dire avant Mamboni, mais tu fais des excès. On a dit, toi aussi, tu es rwandais, on l'a chassé aussi du Parlement. Vous vous rendez compte? Du Parlement. Donc c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. La Cour suprême de justice avait annulé cette décision-là pour rétablir ces gens comme députés. Mais il y a aussi une confusion là-dessus. Mobutu qui leur donne la nationalité de manière collective, et puis après, ils récupèrent la nationalité. Ce n'est pas exact, déjà. Il faut vraiment que les gens comprennent bien les choses, comment elles sont passées. Non. Tel que je vous ai expliqué ici, le Banyamulenge avait besoin d'une nationalité collective. Ils étaient au Congo avant que les Belges ne soient là. Ils étaient au Congo avant les Baïké du Katanga. Ils étaient au Congo avant les Wazalie du Maniema. Ils étaient au Congo avant les Bimbadi du Kassai. Ils étaient au Congo avant les Arabisés de l'Ituri. Pourquoi ceux-là ne demandent pas la nationalité seulement, ils vont solliciter la nationalité collective? Mais Mobutu leur a donné cette nationalité, après ils récupèrent ça. C'est un point que nous n'avons pas abordé parce que ça va nous prendre trop de temps. Non. Il y a une troisième catégorie des Banyarwanda au Congo, ce sont les gens de Masisi. Ce sont ce qu'on appelle les transplantés. C'est-à-dire qu'entre 1937 et 1954, la Belgique, pour mettre en valeur le territoire de Masisi, avait fait le choix de prendre des citoyens, des ressortissants du Rwanda et de venir les implanter au Congo. Voyez-vous, ça s'appelle les transplantés. Donc, en les transplantant, ils avaient voulu faire d'eux des Congolais, effectivement. Mais ces gens-là, à l'indépendance, ils étaient admis comme des Congolais. Ils avaient même un de leurs qui était à la conférence de la table ronde, M. Nzamukwereka, qui était Hutu. Mais après l'indépendance, ils avaient un ministre Tutsi au gouvernement de Kivu en 60, qui s'appelait M. Ruyereka Jean Nepomucène. Mais quand Mobutu prend le pouvoir, on avait tendance à les considérer comme des Rwandais. Quoi, s'ils étaient venus du Rwanda? Mais comment ne pas les considérer comme les Rwandais alors qu'ils étaient... C'est eux à eux que l'ordonnance de 71 et celle de 72 concernés. Cette ordonnance-là ne concernait ni les gens de Rutshuru ni les Banyamulenge, pas du tout. Non, mais Larmboui, comment ne pas les considérer comme des Rwandais dès lors que, en cas de petits pépins, ils retournent vite vers le Rwanda? Attends. Comment il s'appelle? Kadiombo l'a dit quand il parlait de Kashamanta, quand il a parlé de Bisengimana comme directeur des cabinets du président de la République. Nous sommes avec vous ici. Kabila vient nous dire, oui, les Banyamulenge sont des Congolais. Il nous nomme un général. C'est lui qui est aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Mais quand il y arrive, aujourd'hui, il se présente, il dit qu'il est rwandais. Vous nous dites que Rubeyroy est né là-bas. Alors que Kadiombo nous a dit ici que déjà Rubeyroy, à l'époque, il étudiait à l'université de Lubumbashi avec les documents des réfugiés rwandais. Et il était même président des étudiants rwandais à l'université de Lubumbashi. Vous nous dites que Moutebou aussi et Kounda Batoare sont des Rwandais, sont des Congolais. Lorsqu'ils ont des problèmes, aujourd'hui, ils sont au Rwanda. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit, vous nous avez dit ici que de Rugwiza, c'est un Congolais. Lorsqu'il meurt, il s'est fait enterrer. Comment expliquer cette duplicité de ceux que vous considérez comme des Congolais? Il n'y a aucune duplicité au départ. Il n'y en a aucune. Monsieur Kadiombo, est-ce que vous le trouvez vraiment crédible? Lorsque des choses actuelles, comme la mort de Rugwiza. Rugwiza est mort sous nos yeux pendant le confinement ici. Rugwiza, on l'enterre à nécropole, sous les yeux de tout le monde, parce que passé sur toutes les chaînes de télé.
Kadjomo nous dit qu'il a été enterré au Rwanda. C'est actuel, ça c'est un fait actuel. Vous allez le croire lorsque vous parlez de Lubumbashi. Ce qu'il vient de vivre ici devant tout le monde, il ment. Vous allez le croire lorsqu'il parle. Est-ce que lui a fréquenté Roubaix? Il a fréquenté l'association des Rwandais, des étudiants rwandais de Lubumbashi pour savoir si leur président c'était qui. C'est ça le drame. Et c'est lui qui est à la Coupe internationale? Mais oui. Comment il s'appelle le nom? Le Taganda Bosco. Bosco Taganda. Vous avez dit que c'était un Rwandais? Entendu. Il a dit qu'il était Rwandais? Pas dit qu'il était rwandais. Il a dit je suis né au Rwanda. Je mets Misoki Kadjombo au défi de nous sortir une phrase, une vidéo de Ntaganda se présentant comme rwandais. Il a dit je suis né au Rwanda. Il a demandé de parler. Il a dit je préfère m'exprimer en Kinya Rwanda. C'est ça les éléments sur lesquels les gens. Kunda Batware est où? Nous n'avons pas parlé en profondeur. Un peu plus à l'aise au Rwanda qu'ici chez nous. Quand Moudor. Soyons, écoutez, vous savez, nous ne devons pas faire des excès. Nous devons nous comporter en responsable. Moi, je n'en ai rien à foutre des gens du Kivu, ils peuvent s'entretuer comme ils veulent. Je peux dire, bon, en fait, je m'en fous. Mais ici, j'essaie vraiment de dire à notre peuple. Vous savez, le prophète de l'islam, Muhammad, lorsque Dieu lui a donné son message à transmettre au peuple, il l'a transmis dans le Coran. À la fin, il a dit à Dieu, j'ai transmis, oh Dieu, sois mon témoin. Ça veut dire quoi? Le peu que j'ai pu apprendre, je le transmets. Que moi, Dieu soit mon témoin. Alors, on n'a pas parlé beaucoup du Nord Kivu, on s'est concentré sur les Banyamulenge. Si on s'était parlé, on avait beaucoup parlé du Nord Kivu, tu aurais appris que à l'arrivée des Belges, le territoire qui est aujourd'hui le Bouisha dans Rutshuru était composé de plusieurs districts du royaume du Rwanda. Il y avait plusieurs chefs dont les uns étaient des Hutus comme Lulenga à Gisigari ou Tamuanga à Rugari. Les autres étaient des Tutsis comme Kabango à Busanza ou Chizirungu à Djomba. Et vous apprendrez que le chef de Djomba, Chizirungu, est le grand-père direct de Laurent Kunda Migo. Donc Kunda est un descendant de fils de chef de Djomba. Si aujourd'hui, Kadjombo va faire les candidats à la présidentielle, je le lui souhaite, ou si vous perdez demain, vous êtes candidat à la présidentielle, et que vous allez faire campagne électorale à Djomba. Vous parlerez certainement français, vous ne connaissez pas la langue locale. Mais votre interprète interprétera en quelle langue pour que le peuple vous comprenne à Djomba? À Kinyarwanda. Bien sûr. Vous êtes en train de dire, mesdames et messieurs, je vous demande voter à 100% pour Père Oluwara. L'interprète dira quoi? Abagore Nabagabo. Tora Père Oluwara Ijana Kujana. C'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'il dira. Et vous lui direz, monsieur, non, attendez. Comme vous avez parlé en Kinyarwanda, ces gens sont des Rwandais qui ne votent pas pour moi. Je n'ai pas besoin de vos voix. Vous direz ça. Vous n'aurez pas déjà besoin de voix de Djomba, de Rumangabo, notre base militaire, de Kiwanja, de Rutshuru. Vous n'aurez pas besoin de ces voix-là. Mais là, Mboui, j'ai ici peint votre... Mais j'essaie quand même de dire un petit mot. Hein. Oui. Vous dites, pourquoi quand ils ont des pépins, ils vont au Rwanda? Quand le général Mounene est à Kinshasa, il a des pépins, il va où? Tu vas à Kinshasa, tu fouilles, tu vas où? Vers les Bandundu? Non, tu vas vers le Congo Brazza. Il va à Brazzaville. Tu vois un autre exutoire à part Congo Brazzaville quand tu fouilles Kinshasa? Ça fait de lui un Brazzavillois. Et quand quelqu'un de pépé à Goma, il doit fuir le Goma, il va où? Au Rwanda. On va peut-être terminer par là. Lorsque je suis en train de lire un peu votre. Quand je vous présentais, vous avez été directeur général de la chaîne de radio-télévision Africa Tizi. Proche, alors très proche des Roubaixois. Vous avez aussi travaillé chez les Soft International de Kinke Mulumba, un journal qui pendant longtemps émettait à partir du Rwanda. On dit que vous êtes, vous, des inféodés, des Congolais inféodés à la cause rwandaise, incarnés par les Banyamulenge. L'influence avec Azarias Roubaixois, vous devez certainement être proche avec lui. Et ces mêmes discours, je l'ai également entendu lorsque tu parles avec Mike Mukebaye. Évidemment, il a vécu au Rwanda, il a travaillé au Soft International. Quand vous parlez aux gens qui ont fréquenté Azarias Roubaixois et qui ont travaillé d'une certaine manière avec les médias, ayant quelques proches au Rwanda, vous êtes des Congolais inféodés, vendus à la cause rwandaise, incarnés par les Banyamulenge. Vous répondez comment? Déjà, dire que les Banyamulenge c'est une cause rwandaise, je viens de montrer qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le Rwanda. C'est juste des Congolais qui étaient là autant que les autres. Sont même arrivés longtemps avant beaucoup d'autres. Les Mbwaka sont au Congo à partir de 1830, donc les Banyamulenge étaient déjà là. Personne ne dit des Mbwaka qui sont... Ils sont venus du Soudan, tout le monde le sait. Personne ne va dire qu'ils sont soudanais, voyez-vous.
Voilà, je vous ai montré comment il y a eu toute cette évolution. Non, je disais ce que je dis ici quand j'étais au potentiel, déjà. Moutinga peut en témoigner. Donc, c'est que le discours que je tiens ici, je le tenais, j'étais au potentiel. Roubero a été ici vice-président de la République. Je n'ai jamais travaillé dans son cabinet, il ne m'a jamais rien donné. Donc, je n'ai absolument rien à voir avec ça. J'ai été directeur général de la chaîne de télévision d'Avisa Roubero, c'est vrai. C'est exact. Mais je peux vous dire qu'on a très mal fini avec lui. Si j'étais comme les autres que je vois ici fleurir dans le pays, j'aurais haï Roubero et j'aurais haï toute sa communauté ce faisant. J'ai très mal fini avec Azarias Roubero. Moi, je suis le seul journaliste qui a failli traduire Roubero en justice dans cette ville capitale ici. Tout le monde le sait. Mike Moukebaï, Achille Kadima ont publié plusieurs articles pour me soutenir, d'ailleurs, dans ces cas-là. J'aurais pu haïr Roubero et haïr par-delà toute sa communauté. Mais moi, je fais la part des choses. C'est à part que j'ai peut-être... Mes relations avec Roubero ont mal tourné que je dois haïr tout le monde. C'est que font beaucoup d'autres, d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir. Le soft... Ça n'a rien à voir avec le Rwanda. C'est un journal qui a été ici sous Mobutu, sous tous les régimes, en fait. Le soft a toujours été là. Voyez-vous. Donc le soft n'a absolument rien à voir avec le Rwanda. Absolument rien à voir. Il n'a aucune qui a été au RCD où on l'a chassé d'ailleurs. Il n'a eu aucun poste au RCD d'ailleurs, sous le reste. Moi, j'ai travaillé au soft quand il était ici. Je n'ai pas travaillé au Rwanda. Le soft était ici. Jusqu'au jour où il est devenu kabiliste, j'ai quitté parce que je ne pouvais pas défendre l'idéal qu'il avait emprunté. C'est le problème. Donc c'est ça, il n'y a aucune inclination particulière. On va terminer cette émission bien embrouillée. Les Congolais vous regardent. Oui. Je vais vous donner le temps de parler. Oui. Ça sera quoi le message particulier que vous voulez dire aux Congolais? Apaisons nos esprits. Les Banyamulenge sont bel et bien nos frères congolais. Ne suivons pas l'extrémisme des Kadiombo et des autres, Mouindo Nzangi ou même Martin Fayoulou. Ça sera quoi votre message pour qu'on termine cette émission? C'est exactement ce message-là. Il y a des gens qui s'amusent à faire des raccourcis. Je suis Kwebe Kimperi, qui était un de mes modèles quand j'étais tout petit. Je voulais devenir journaliste parce que je l'écoutais lui à la radio. Je le suis aujourd'hui, je suis déçu comme pas possible. Il y a des gens qui font des raccourcis. Pourquoi ils ont changé de nom? Le nom Banyamulenge n'existe pas. L'ethnie Banyamulenge n'existe pas au Congo. Mais ça, c'est dérisoire. Le plus important n'est pas le nom sous lequel une ethnie est connue. Le plus important, c'est la réalité démographique de cette population. Je vous ai montré par des documents historiques incontestables qu'ils ont existé dans le pays longtemps avant la colonisation belge et qu'ils ont été considérés comme des citoyens belges de statut congolais par la colonisation. Pendant la colonisation par les Belges eux-mêmes. Voyez-vous. Donc, qu'ils aient changé de nom, ça, ce n'est pas un problème. Les gens disent, on ne prend pas le nom d'une montagne. Mais bien, nous sommes au Kassai, Jibem Piano, on nous appelle les Loulous, non? Ce sont des... Si vous l'appelez Balouba, vous dites vrai. Mais si vous l'appelez Loulous, c'est aussi vrai. Mais Loulous, c'est quoi? Ce n'est pas une rivière? Pourquoi ils ont pu prendre comme surnom une rivière? Vous interdisez aux autres de prendre comme surnom une montagne. Pourquoi? Les ethnonymes, le nom des ethnies changent en fonction des circonstances. Les Bahema de Lirumu, on les appelle Bahema. Les Bahema de Djougou, ils ont changé de nom, ils sont venus de Bagegere. Mais c'est leur affaire. Les Balembu de Irumu, ils s'appellent Ngiti. Mais c'est leur affaire. Les Barega de Walikale, ils ont pris comme nom Bakano. Mais c'est leur affaire. Nous allons nous mettre nous derrière eux. Pourquoi vous avez changé de nom? Mais ils ont changé de nom, c'est leur affaire. Est-ce que vous allez nier le fait que les Barega de Walikale ne sont pas Barega parce qu'ils ne sont pas congolais parce qu'ils ont changé de nom? S'ils ont changé de nom, c'est leur affaire. Quel est votre problème là-dedans? Mon message que je veux adresser aux Congolais, c'est celui-ci. Nous sommes en 2020. Il n'existe aucun pays dans le monde aujourd'hui, aucun, où les gens focalisent leur débat pour savoir tel est-il national ou il est étranger. Il n'y en a pas. Même ceux qui ont, même ici en Afrique, même ceux qui ont en Afrique ici des populations des races très éloignées de la race africaine. L'Afrique du Sud, par exemple, ils ont des millions d'Indiens chez eux, des personnes d'origine indienne. Il n'y a pas un débat du genre tel est-il sud-africain, tel ne l'est pas, tel n'est pas. Non. Nous admirons. C'est un débat qui nous recule. On recule. Nous adorons tous Nelson Mandela. Je crois que c'est l'Africain le plus adulé dans le monde. L'un des hommes les plus adulés de l'humanité. Mandela a fait 27 ans de prison
pour que, pour une seule raison, pour que tous les citoyens d'Afrique du Sud, ça veut dire blancs d'origine hollandaise, qu'on appelle les Afrikaners, blancs d'origine britannique, qu'on appelle britanniques, indiens d'origine indienne, pakistanaise, malaise, il y a beaucoup de gens qui sont de Malaisie aussi, et chinois, se mettent avec les Noirs, Zulu, Kosa, Swazi, Ndebele, Tswana et consorts, pour former une nation où tout le monde a les mêmes droits et devoirs sur un plan d'égalité. Ils ont fait un pays le plus prospère du continent, où nous voulons tous y aller. Il y a plus de 100 000 Congolais en Afrique du Sud. Il n'y a pas de Sud-Africains chez nous au Congo, en tout cas, il y en a très peu. Et chez nous, nous nous battons, nous, en 2020, pour voir comment nous pouvons exclure d'autres personnes de la nation parce qu'ils ont une forme de nez qui ne nous plaît pas. Nous sommes à quelle époque, nous? Juste à côté de nous, il y a la Tanzanie. Ces gens ont tué un premier ministre, Salim Ahmed Salim, qui est né de parents indiens. Il y a une grande communauté indienne qui a été amenée par les Britanniques pendant la colonisation en Tanzanie. Ces gens sont, à l'indépendance, considérés comme des Tanzaniens de plein droit, jusqu'à avoir un premier ministre. Ils ont des candidats à la présidence. Un jour, ils auront un président d'origine indienne. Les Tanzaniens sont comment? Supérieurs à nous dans la compréhension? Il est temps pour nous de dépasser ce genre de conneries. Nous devons comprendre que nous avons un pays, une nation à bâtir, un pays à développer. Regardez l'état de nos routes. Regardez, nous avons aujourd'hui 16 millions de personnes qui souffrent de faim, qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Nous n'avons pas honte avec 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons les défis du développement. Nos défis, ce n'est pas d'aller chasser les Banyamulenge, de Fizi où ils sont, de Minembwe. Vous savez, sur la question de Minembwe, on ne s'est pas étendu là-dessus. Cette commune fonctionne depuis plus de 2 ans. On reviendra là-dessus. Quand, en fonctionnant, est-ce qu'elle est partie où? On alarme les gens. Minembwe va partir. Vous avez Fayoulou qui monte par ici. Mbanda qui crie par là. Mais c'est l'indécence. C'est l'indécence totale. La première fille qui a obtenu devenue Miss Zaïre aujourd'hui dans ce pays, et qui est devenue Miss Afrique, et qui est devenue la première africaine à être dauphine de Miss Univers en 1985, s'appelle Benita Kayonga Murekatete. C'est une fille tutsi de Masisi. Elle est venue ici, accueillie par Mobutu lui-même, qui a salué la beauté zaïroise à l'époque. Ceux qui disent que les tutsis n'étaient pas congolais, ils étaient où pour contester à l'époque? Bilabel a chanté, le quoi là-bas, comme ça, il y a Beni Tana Miami, Mokili Bayoki. C'était à Miami qu'il y avait eu ce concours de beauté-là. Donc, tous ces pans de notre histoire, nous allons le mettre dehors. Le roi Kabou Bashing a été ministre en 60 dans ce pays. Okiv, ministre de l'Éducation nationale. Ruyerek a été ministre des Finances. Okiv, gouvernement de Okiv, ça veut dire c'est là où on connaît mieux les gens du Kivu. Gouverneur Nuru Ojan, Mouchi, de Kabare. Il a reconnu que ces gens étaient dans son gouvernement. Et au niveau national, Focas Sebakunzi était tutsi. Il était député national, ayant comme collègue Lumumba, futur premier ministre, et Kassavu, futur président de la République. Et quand ces gens occupaient ce genre de fonctions, le père de Mbanda était où? Pour que son fils se permette, 60 ans plus tard, de remettre en cause la nationalité des enfants de ces hautes personnalités qui ont concouru à bâtir le Congo indépendant. Congolaises et Congolais, où nous voulons bâtir un pays en paix, où nous voulons le plonger dans le chaos continuellement. Moi, je pense que ce chaos a trop duré. Ce chaos a trop duré. Bâtissons le pays en paix, acceptons tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui habite, qui prend la terre de quiconque. Ce sont des faussetés qu'on vous met dans la tête pour vous pousser à vous haïr les uns les autres. Dépassons-nous, hissons-nous à la hauteur d'un grand peuple. Bélard Mboui, merci d'être venu nous voir. Je rappelle, madame, messieurs, que vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, notre invité, c'était Bélard Mboui, reporter, journaliste, analyste politique et écrivain. Avec lui, on a bien voulu revenir sur la pure vérité historique sur les Banyarwanda et les Banyamulenge. Vous avez suivi. Vous pouvez également entrer en contact avec nous si vous voulez approfondir la question, ou plutôt débattre, comme on dit hors caméra et dans le couloir, avec Bélard Mboui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Bélard Mboui, c'est un écrivain. Un de ses derniers ouvrages, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez le retrouver dans plusieurs librairies.
qui a réellement remporté la présidentielle ivoirienne de 2010. Il fait un focus et une étude très très intéressante sur les élections de 2010 ayant conduit à des troubles entre Laurent Gbagbo et M. Alassane Dramane Ouattara. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Chers frères, chères sœurs, je me présente. Je m'appelle Jonathan Kengé. Et si je me permets de venir aujourd'hui devant vous, c'est pour lancer un message. Un message à vous, jeunesse congolaise de par le monde. En effet, tout le monde s'accorde à dire que notre cher et beau pays, le Congo, se trouve dans une situation d'extrême précarité. Et cela, à tous les niveaux. Les guerres, les massacres, les viols sont devenus monnaie courante, à tel point que l'impunité et les abus sont devenus une maxime qui définit notre justice et notre système politique. Tout cela n'est autre qu'une aberration, connaissant les potentialités de notre pays. Notre pays est un pays riche, mais cette richesse n'est autre que potentielle, car rien n'a jamais été mis en œuvre par nos élites pour passer à une richesse effective qui comblerait les besoins de notre population. Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse congolaise, continuer dans la politique de ces 60 dernières années. Car, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, nos aïeux n'ont eu cesse de mener notre patrie au saccage et les héros qui ont essayé de renverser cette tendance ont souvent tristement disparu à cause de personnes servant leurs intérêts. Nous devons, nous, jeunesse congolaise, absolument incarner une jeunesse de rupture, une jeunesse qui réécrit une page neuve dans l'histoire de notre République, une jeunesse au service de la nation. Je vous exhorte donc aujourd'hui, jeunesse congolaise, d'allier la parole aux actes et de ne pas rester dans les mêmes schémas qui seraient d'une jeunesse aux potentialités énormes mais inactif dans le développement de sa terre-mère. Montrons à la face du monde le véritable visage de la jeunesse congolaise qui est une jeunesse innovante, entreprenante, dynamique, disciplinée. Une jeunesse qui rassemble tous ses adjectifs au service de la nation. Une jeunesse que j'aimerais appeler une jeunesse d'État, qui ne sert aucun clivage, aucun clan, mais qui défend la nation. Inspirons-nous d'autres pays où la jeunesse est à la base de projets d'investissement, d'ONG, d'associations qui impactent positivement l'économie nationale. C'est en étant une jeunesse unie, disponible, bienveillante, que nous réussirons à relever le pays dans le but de le rendre plus beau qu'avant. C'est ensemble que nous réussirons là où nos aïeux ont échoué. Jeunesse congolaise, tous ensemble, nous nous levons. Ensemble, nous relevons le Congo. Jeunesse congolaise, bisognoso, totelema.